travail absolument formidable. C'est la fameuse association Petit Prince qui, depuis presque 30 ans maintenant, ce sera l'an prochain, l'anniversaire je crois, Petit Prince réalise depuis 30 ans des rêves d'enfants malades. Hier, magnifique cadeau d'anniversaire pour un petit Rémois de 8 ans. Il rêvait de côtoyer de près les policiers. Son rêve s'est réalisé dans la région parisienne. Fatima Medouni et Bertrand Lachat. Le rêve commence au bout du quai. Noam a 8 ans, il arrive de Reims. Des policiers sont là pour l'accueillir avec plaque de police et bonnet. Maintenant, t'es policier. Il a besoin de moments comme ça pour sortir un peu de tout ce qui l'entoure, de la maladie, etc. Et donc c'est vraiment un moment de ressources. Il va prendre de l'énergie, ça va lui être utile pendant un bon moment. Transfert vers la brigade canine en voiture de police, comme il se doit. Allez, on remet la sirène. Tout le monde se pousse. Arrivé à la brigade, Noam découvre 14 chiens d'intervention et 4 de recherche. Démonstration. Tu vois le monsieur avec la barbe ? Avec sa voiture ? Voilà, il est pas beau, il est méchant. Et avec le chien de policier, on va essayer de l'attraper. Ce qu'on demande à ces chiens, c'est d'être impressionnant. Nous, on travaille beaucoup sur l'effet dissuasif. Et ça marche très bien. On va en patrouille, d'accord ? Aux commandes, la jeune recrue. À tous les policiers, on part en patrouille. Vous dites au chauffeur de couper l'avertisseur sonore, il va vous entendre. Bien reçu. On est super heureux, je ne sais pas si vous avez vu, même mon chef de service avait la petite larme à l'œil. On est humain, hein. Donc on est des pères de famille, donc ça nous touche, et mission accomplie pour nous, quoi. Direction la brigade fluviale, 12 km en Zodiac pour découvrir Paris. C'est un petit garçon qui au départ ne parle pas beaucoup et puis après on le voit s'ouvrir, on voit des petites étoiles dans les yeux, on sait qu'il est content. Avec tous les bénévoles, policiers et équipe des Petits Princes, une dernière surprise attend Noam. Merci Encore une très belle histoire grâce à cette famille.